Bonjour, bien aujourd'hui je vais vous présenter ce Segway solaire que j'ai construit sur un peu de la même manière que le Segway à piles que vous avez peut-être vu sur une autre vidéo dont le lien s'affiche en haut de l'écran et qui s'affichera aussi en fin de vidéo. Donc c'est à peu près le même modèle, donc je ne vais pas revenir sur la fabrication du système, des roues, etc. Sauf qu'ici il y a un panneau solaire à la place d'avoir des piles en dessous comme c'était le cas la dernière fois. Ici c'est simplement un panneau solaire et qui est connecté donc au moteur via un interrupteur qui est ici au fond, de manière à ce que si le soleil brille et puis que vous ne voulez pas que votre Segway avance, bah, vous pouvez couper le circuit. Voilà, en fait ce panneau solaire fonctionne très bien, j'en ai essayé plusieurs qui ne donnaient rien du tout, j'ai essayé des moteurs différents et j'ai dû acheter un petit moteur spécial pour panneau solaire qui démarre avec un courant assez faible et qui a en fait beaucoup de puissance, j'étais vraiment très surpris. Et vous pouvez constater, voilà, je vais l'amener au soleil, qui va se mettre à tourner. Quand il prend un peu de soleil, voilà, regardez, ça démarre. Et plus je l'approche près du soleil, et plus je l'incline vers le soleil, plus il va se mettre à tourner vite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de simuler le soleil avec cette grosse lampe halogène. Et donc quand je l'approche du Segway à panneau solaire, eh bien, le moteur se met à tourner, l'hélice se met à tourner. Et quand je m'approche encore un petit peu, quand l'énergie est suffisante, eh bien, le Segway s'en va et prend de l'élan. Et puis évidemment, il va s'arrêter quand il va arriver dans l'ombre et qu'il n'y a plus de lumière. S'il était à l'extérieur sur une piste bien plate et qu'il avait un beau soleil, eh bien le Segway avancerait sans jamais s'arrêter jusqu'à ce que le soleil se couche. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.